Ok la famille, vous avez déjà tous eu l'habitude de manger des pizzas au thon, 4 fromages, etc. Dans cette vidéo, on va faire une pizza à base de 8 fromages, ça va être un truc incroyable. C'est parti, c'est dans cette vidéo les amis. Yo la famille, c'est Rocket9.2, j'espère que vous allez tous très bien la famille. En tout cas pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va tout simplement concocter une pizza à plus de 8 fromages. Donc je peux te dire, tu vas grailler la pizza, tu pourras plus gérer le mec pendant un an, tu vas puer de la gueule mon ref. Vraiment, t'imagines 8 fromages dans une pizza avant de sentir l'odeur, la transpiration du vestiaire après un match. Wow, là ça va être une pizza pour elle va avoir des odeurs radioactives. Mais bref, moi vous connaissez, j'aime les challenges, j'aime faire des pizzas, des tacos de malade. Donc on va faire ça dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste en bas. D'ailleurs dans les abonnements, c'est là où je choisis les abonnés avec lesquels je fais des vidéos. Donc abonnez-vous à mon Instagram. Donc c'est parti pour faire la vidéo les amis. Dans un premier temps, je vais vous montrer tous les fromages que j'ai achetés qu'on va insérer dans cette pizza les gars. Vous allez halluciner, je suis allé au supermarché, j'ai dévalisé le rayon fromage. Le caissier il a fait wesh poto, tu veux faire quoi? Tu veux faire une recette chimique ou quoi? Bref, je vais montrer tous les fromages qu'on va mettre dans la pizza que j'ai acheté, c'est maintenant. Alors pour commencer, on a acheté du fromage à pizza, donc ça c'est le classique. On a acheté de la mozzarella, parce que oui, de la mozzarella c'est comme du fromage hein, qu'on va insérer dans la pizza, ça fait déjà deux fromages. On a acheté l'incontournable emmental, donc ça fait trois fromages. Du bon emmental dans une pizza, ça passe crème en général. On a acheté un fromage ultra puissant, le parmigiano, parmigiano Italia, Italia, grosse dédicace aux Italiens d'ailleurs. Donc voilà, du parmigiano. On a acheté du fromage vache qui rit, c'est du fromage qu'on utilise dans les croque-monsieur, on va les mettre dans la pizza aussi. Enfin vraiment, ça va être une pizza remplie de fromage de A à Z, je peux vous le dire. On a acheté tout simplement du fromage tartare. Donc franchement il y aura du tartare aussi dans la pizza, ça va être un truc de fou. Et j'ai acheté le fromage de notre enfance qu'on mangeait quand on était petit pour le goûter etc, qu'on va mettre dans la pizza 8 fromages. Le fromage Kiri, c'est trop la base, c'est trop bon. On le met dans les briques en général, enfin bref c'est la base le Kiri. Et on termine avec le dernier fromage, donc le 8ème, c'est tout simplement du fromage râpé cheddar. T'as déjà vu ça mon pote, du fromage râpé cheddar, c'est incroyable les amis. Donc voilà tous les fromages qu'on va insérer dans la pizza. Donc tous les fromages réunis, ça donne tout ça à la famille, donc il y en a plus de 8 hein, bien évidemment. Voilà, on dirait la réunion parents prof élèves, vous avez vu tout le monde qui a tous les fromages qui a ma gueule, on dirait une descente à l'excité, ça va en découdre carrément, c'est un truc de malade. Une équipe de foot le bail. Et bien évidemment après bon ça c'est pas des fromages, mais pour faire la pizza t'es obligé d'avoir ça. On a la pâte à pizza, une pâte à pizza maison faite par ma mère, et on a tout simplement la sauce tomate. Donc on va la faire à base de sauce tomate, qu'on va pas faire crème fraîche t'as vu. Donc une base sauce tomate panzani, il y a tomate et de l'origan. Donc voilà, c'est parti pour concocter la pizza à plus de 8 fromages, ça va être un truc de fou. Donc la famille, on est parti pour faire la pizza à base de 8 fromages. Donc première étape, vous avez vu, j'ai la pâte, c'est de bien faire les formes de la pizza, je connais. Donc la famille, la pâte elle a été bien mise, etc. On l'a bien aplatie, j'ai ouvert tous les fromages. Là on peut vraiment commencer à la faire, t'as capté. Donc première étape, tu mets de la bonne sauce tomate. Donc on met un petit peu de sauce tomate hein. Hop là, comme ça. Et j'ai mis un gros jet de sauce tomate hein. J'ai cru que j'avais un extincteur entre les mains. Donc voilà, on fait comme ça. Et après vous inquiétez pas, on va réparer, on va prendre un pinceau. Tu mets de la sauce tomate un petit peu partout. Donc voilà, là je pense qu'on est bon pour la sauce tomate hein. Là c'est carré. Et là on va commencer à entamer les 8 fromages les gars. Donc premier fromage, fromage à pizza tu connais. Donc ça c'est la base, là c'est comme si on faisait une pizza classique hein. Mais après on va cumuler tous les fromages. Vous allez péter un câble les gars. Franchement ça va être chargé en fromage. Donc fromage à pizza c'est fait le taf. Après on va mettre fromage de cheddar râpé. Donc là on a déjà deux fromages dans la pizza. En plus les fromages de cheddar râpé, vous voyez comment ils sont balèzes. Ouais je guette ma gueule, on dirait des bâtons. On dirait des pieds de biche. C'est des bâtons le bail. Donc voilà, fromage de cheddar râpé. Je savais même pas si ça existait le cheddar râpé pour vous dire. Voilà. Après, on va rajouter des l'emmental râpé. Par contre, j'ai éclaté le paquet. Mais bref, on s'en fout. Donc là, trois fromages. Oh les gars, ça sent le fromage d'ici, les gars. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Après, on va rajouter fromage tartare. Ça va faire quatre fromages déjà. Donc quatrième fromage, fromage tartare. Donc fromage tartare, on va juste, tu vois, mettre des petites cuillères comme ça. Voilà, on va juste mettre, tu vois, des petites cuillères et ça va fondre. Vous avez vu? Ça va fondre dans la pizza. On met des espèces de boulettes comme ça. Et ça va fondre directement dans la pizza. Cinquième fromage, on va rajouter le kiri. Donc kiri, on va faire pareil, on va mettre des petites boulettes. Je mets des petits morceaux, on en met là. On en met là, on en met là. Ça va faire un mélange kiri tartare. Voilà, là c'est bon je pense. Sixième fromage, mozzarella les amis. Et on va couper des petits morceaux de mozza. Donc on prend le ciseau et on fait ça, tu vois. Voilà, ça met des petits morceaux de mozza. Donc il neige sur la pizza. Allez, allez. Donc voilà, c'est très simple pour mettre la mozzarella. Septième fromage les gars, on va mettre du parmigiano. Donc le parmigiano par contre c'est un fromage qui est ultra fort, je vous dis la vérité. Oh lolo, ça sent super fort. Oh celui-là il sent fort hein. Je le sens d'ici le parmesan. Donc on va mettre juste un peu du parmigiano. On en met juste un petit peu. Voilà comme ceci. Faut pas en mettre trop parce que ça sent super fort. Et on termine avec le huitième fromage, le dernier fromage. Donc du fromage avec lequel on fait les croque monsieur. Ouvre ça comme ça tranquillement. Là. Allez. Et on met des petites tranches par-ci. Par là.
Voilà. On a une pizza à 8 fromages, les amis. C'est historique. Maximum de likes. Hein. Oh, donc là, on va tout bien mettre et on va la mettre au four, les amis. C'est parti. Allez, la famille, la pizza à 8 fromages, elle va aller dans le four. Tous les fromages, ils vont fondre. Ça va être exceptionnel. Donc, c'est parti. Allez. On l'a mis au four bien comme il faut. Et let's go. On se retrouve dès qu'elle est cuite, les amis. Attendez, je vais la pousser plus. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu mieux. A few moments later. Oh mamacita, des pizzas, des 8 fromages. Oh yo 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 yo. Les gars, la cuillère, regardez la gueule de la pizza. Donnez une note dans l'espace commentaire sur 10. Je mettrai déjà d'or aux commentaires qui donnent des notes comme d'hab. Mamacita, elle a l'air d'être incroyable. Là, tu vois le mozzarella. Là, tu vois le fromage boursin. Tu vois le cheddar râpé. Tu vois l'emmental râpé. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. On voit tous les fromages, les gars. J'ai hâte de tester ça. Voilà, je vais graisser cette pizza. Je vais devenir agriculteur. Je vais créer des fromages, les frères. C'est un truc de ouf. Donc c'est parti, on va s'installer, on va déguster ça. Franchement, elle est super belle. Oh là là, j'ai hâte, les amis. Ok, la famille, la pizza, on va la déguster. Regardez-moi ça, je veux juste sentir, elle sent quoi? Parce que je vous ai montré un peu, mais j'ai pas senti son odeur. Ouais, en fait, elle sent le fromage, les amis. Ouais, elle sent le fromage. En tout cas, regardez-moi ça, j'ai déjà coupé quelques parts là. Oh, 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 regardez une part, ça représente quoi? Elles sont bien mastoc, en plus avec une pâte à pizza maison. Une pizza à base de 8 fromages. Ça sent vraiment le fromage, les gars. Ça sent le fromage fort, fort, fort. Comme je vous dis, tu grailles ça, mon pote. Tu galoches pas de meuf pendant une semaine, hein. Moi, je vous le dis, hein. Enfin, pendant une semaine, je suis gentil. Pendant un an, après, faut se nettoyer la bouche au javel. Tu as pu le fromage, mon ref. Mais bref, on va taper ça. Ma première pizza à base de 8 fromages. C'est la première. C'est historique, les amis. Allez, bismillah, les frères. Oh. Tous les fromages que tu sens. Ah, c'est un truc de ouf. Quand tu manges ça, en fait, là, t'as l'impression qu'il y a 8 fromages qui font la bagarre dans ta bouche. T'as le parmesan, ou t'as de la mozzarella, tu sens toutes les sensations, petit à petit. Trop lent. Franchement, elle est bonne. Les 8 fromages, ils se marient bien, tu vois. Y a pas eu de bagarre, ils se sont bien entendus. Dans la cuisson, ils se sont pas disputés, tu vois. On va taper une autre bouchée. Franchement, c'est encore mieux qu'une pizza 4 fromages. Il y a encore plus de saveur. En même temps, logique, c'est qu'il y a 8 fromages. Oh là. Vous imaginez 8 fromages dans une pizza? C'est une équipe de handball carrément. On va terminer déjà la première part. Donc la famille, j'ai déjà tapé une première part. Et franchement, en plus que tu vois, c'est bon les 8 fromages, la pâte elle est incroyable. Et là vous savez, j'ai trouvé des sauces piquantes dans ma salle de bain. Donc on va les mettre, sauce piquante à pizza. Donc c'est parti, j'espère qu'elles sont pas périmées. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, ça dégouline de la bonne sauce épicée piquante. Des pizzas, j'en ai blindé sur une part. On va goûter ça. Parce que déjà, elles ont 8 fromages. Imagine, tu rajoutes un petit peu d'épices et encore plus de goût. C'est parti. Non, vraiment, la recette est validée. Plus d'avis fromage. Je pensais que ça allait faire des fromages trop trop forts. Mais non, ça va. Parce que non plus, on n'a pas mis des fromages comme le Roquefort, le fromage de Raclette. Sinon, la pizza, elle est plus. On a mis des fromages, on va dire, assez légers, quoi. À part les parmesan qui est fort. Il n'y a pas vraiment de fromage qui est super super fort. Voilà, en tout cas, avec la sauce piment, c'est, ça rajoute encore plus de goût. J'ai buté tout un sachet de piment sur une part. Mais je connais, je suis tunisien, ça bouge pas. Ça, j'aime bien cette pizza à base de 8 fromages. Et bah du coup la famille, voilà pour le bilan de cette pizza 8 fromages. Par contre, j'ai dû me changer, hein, parce que je puais le fromage, j'étais positif au fromage avec la pizza, même si j'ai pas mis des fromages puissants, t'as vu, j'ai préféré me changer, prendre ma douche. Comme ça, je suis plus positif au fromage, enfin, je sens pas le fromage, etc. En tout cas, sur ce la famille, bah si la vidéo vous avez kiffé, vous pouvez mettre le petit like, le petit commentaire. Tu peux t'abonner éventuellement à la chaîne si c'est pas encore fait la famille. On approche les 400 000 abonnés. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao l'ami.